ça? Est-ce que Dieu peut parler de toi comme ça? À l'église, nous avons des chrétiens de tout feu, tout flamme. Dadi sera là. Le loup Koyinda, prophète Gatien, prophète. En tout cas, je dois être là. Papa, sœur, tu n'as pas encore connu Dieu. Tu n'as pas connu Dieu. Les rares des fois que je le fasse dans ma vie, en tout cas, les rares des fois que je parle de moi, moi, je m'attache à Dieu pour aucune raison. Que ça aille, je suis là. Que ça n'aille pas, je suis là. Il y a même des gens qui peuvent te dire, toi, tu vois pas que, tu vois pas que, tu vois, j'ai dit, papa, hein, chacun a ses fondements. Si tu t'es attaché à un ami, tu sais ce qui fait que tu t'attaches à cet ami. Si tu t'es attaché, je ne sais pas, à une maison, toi-même, tout le monde peut spéculer, mais toi-même, tu sais que j'aime Kinkela parce qu'elle est loyale. Si, même si Kinkela a tué quelqu'un, si elle n'a pas touché la loyauté, votre relation est solide. Tu dois aimer Dieu sans aucune raison. C'est ce qui fera aussi qu'aucune raison ne te poussera de t'éloigner de Dieu. Ma soeur, je t'aime beaucoup. Quand je te regarde, je vois ta corpulence. Surtout, tu es très intelligente. Ne donne pas ton cœur au. Parce que le jour où tu ne seras plus intelligente, il ira chercher celle qui sera encore intelligente. Le vrai amour, c'est quand on aime sans raison, mais on découvre ou bien on travaille pour certaines choses importantes qui doivent être. Mais ça ne doit pas être ça la priorité. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ne sont pas les fidèles de la porte de ce sont les fidèles du prophète Joël. Si vous voulez connaître ces personnes, quand Daddy n'est pas là, cherchez ces personnes. Et quand Daddy viendra, vous allez voir ces personnes. C'est simple. Et la beauté dans tout ça, toi qui es là, toi qui es attaché au Dieu de Daddy, le jour où le Seigneur reviendra, tu verras ton Daddy lui-même en train de s'attendre à Dieu. Et toi qui s'étais attaché à son Dieu, tu te dis, ah, heureusement je ne m'étais pas attaché à lui. Mais je m'étais attaché à celui dont lui il attend. Maintenant, ceux qui s'attachaient à lui, ils seront maintenant en train de lui regarder. Et lui, il les regarde. Il leur dit, hé, vous me regardez. Tous, on attend quelqu'un. Soyez focalisés là-bas. Tu dois connaître l'agneau et la vérité si tu es appelé dans les choses. En tout cas, quel que soit le domaine dans lesquels tu es appelé. À force, tu es en train d'avancer dans ta connaissance avec le Seigneur. Sans que tu ne fasses des efforts, tu réaliseras que Dieu est aussi en train de te permettre d'avancer dans ce dans quoi tu dois travailler. Le prédicateur en toi, tu le découvres quand tu découvres Dieu. L'entrepreneur en toi, tu le découvres quand tu connais Dieu davantage. Voir en esprit, tu commences à voir à l'extérieur quand tu apprends à voir à l'intérieur. Et comme ça, ça arrive que les autres personnes pensent que nous manipulons les gens. Ou bien nous cherchons les choses chez les gens. Tu ne peux pas voir le Seigneur sous, quelle que soit la représentation. Parce que je ne veux pas que quelqu'un vienne me dire, toi tu as vu le Seigneur, il est écrit. Quelle que soit sa représentation. Tu ne peux pas voir le Seigneur et ne pas connaître une ascension quelconque quelque part. Et c'est comme ça, nous par exemple, qui sommes prophètes, je travaille mes yeux en cherchant à voir les autres facettes du Christ. Et quand je sors de sa présence, sans aucune prétention, je vois, moi je vois. Pourquoi? Parce que, à part mon père qui prie sur moi, je l'ai dit à la télévision, je n'ai aucune personne qui dira, il venait chez moi, je lui ai donné ça. Il n'y a personne. Il y a mon père qui prie pour moi et moi je cherche Dieu. C'est fini. Les autres personnes pensent qu'on a suivi. Moi, je ne suis pas. Mon père, c'est mon père. Même s'il y a des gens qui sont passés ici, ils ne connaissent même pas ma figure. Ils m'ont vu seulement comme ça dans les sièges. Mais oh, dans les couloirs, moi, je cherche Dieu, j'ai mon père. S'il y a mon frère qui manifeste quelque chose de comme ça, je vais aller, mon cher. Yébisanga, tu fais comment? Parce que des fois, tu peux ramasser quelque chose d'autre que ce que tu pensais ramasser. Prophète, on doit retenir quoi? Retiens que je t'ai présenté l'agneau, mais en deux dimensions. Le Christ que tu as connu, qui t'a donné le salut. Mais je t'ai présenté une autre dimension. Celui de chercher encore. Ça va faire mal alors que tu es en train de gêner, tu avances.
Ça va faire mal alors que tu es en train, tu as quitté ton lit, tu dors peut-être, je ne sais pas moi, dans les pattes. Tu avances. Ça va faire mal alors que tu es en train de jeûner. Vous savez, il y a des gens sur terre, à cause de la recherche de cette deuxième dimension, ils ont pris même des choses qui ne sont pas des péchés. Ils ont donné à Dieu. Ça, c'est un autre niveau de jeûne. On appelle ça la mortification. C'est ce que le diable utilise maintenant à Tekamukongonae. L'authenticité, ça vient de chez nous. Il n'y a pas d'authentique là-bas. L'authenticité vient de chez nous. Je vous donne un exemple. L'apôtre Paul. Il a sacrifié ses désirs sexuels pour l'œuvre de Dieu. Et il est le seul apôtre qui n'avait pas vécu avec le Christ, mais qui a manifesté tous les dons spirituels. Yolalaka. Tu penses que la vie chrétienne, c'est avance. Hein, il faut toi aussi avancer avec Dieu. Toi aussi, tu dois avancer avec Dieu. Si un homme de Dieu prêche, dans ses prédications, tu dois trouver des brèches de comment connaître Dieu. Dans ses prédications, tu dois trouver des accès de comment t'approcher de Dieu. Moi, il y a beaucoup de choses que je fais parce que j'ai attendu d'aller dire ça. J'ai attendu d'aller dire, à une période, j'avais quitté mon lit, j'ai cherché Dieu à terre. J'ai suivi ça. Pourquoi? Pour connaître Dieu. Mais aujourd'hui, tu es là, tu as ton carnet. Tu attends que je dise avec le prophète Gracien pour qu'on commence à voir, on priait avec de l'eau à minuit. Mais quand c'est pour connaître Dieu, je connais déjà Dieu. Toi, tu connais Dieu. Notre Père cherche encore Dieu. Toi, son Fils, tu connais Dieu. Excusez-moi, moi je ne crois pas à certains ministères, pasteur Daniel. Quand je vois certaines personnes ne pas trop s'attacher à Dieu, mais s'attacher à certaines choses et se dire prophète. Excusez-moi de mentionner autant les prophètes Gratien ou bien mentionner Daddy. Vous allez voir, toute personne qui a accédé à une dimension de commencer à voir le monde spirituel, la chose qui l'attire beaucoup plus, c'est le Christ. Parce que tout ce qui existe dans le monde spirituel, quand tu as les yeux ouverts, il n'y a pas une chose qui peut t'attirer plus que lui. Certes, tu vas voir beaucoup de choses, mais dans ces beaucoup de choses-là, tu comprendras vraiment pourquoi on dit « il est l'étoile du matin ». Il y a plusieurs éclairages, mais son éclairage se distingue des autres éclairages. Donc, tu seras plus attiré par cet éclairage-là. Mais tu attendras quelqu'un, prophète, mais quand tu regardes sa vie, ma prière est qu'au-delà des amens que tu es en train de dire, dans le calme, dans le silence, que cette parole se sème bien dans ton cœur et dans ton esprit. Amen. Et qu'après ici, si tu vas avoir un temps de retraite, que ce soit pour découvrir Dieu, bien. Surtout dans cette période pascale. Vous savez, hein, dans les temps, il y a des portes des temps. En ce moment, par exemple, la plus grande porte, c'est le Jésus ressuscité. C'est dans des moments pareils que tu peux faire des expériences personnelles. Tu vois le Christ, tu peux voir le Christ comme ça. Dans des moments pareils. Mais tout dépend de l'attente que tu as de Dieu. Si tu t'attends à voir un homme, lorsqu'on te présentera, regardez les disciples de Jean. Leur réaction a prouvé qu'ils cherchaient l'agneau, mais en réalité, ils savaient que ça devait être une personne. Voilà la raison pour laquelle lorsqu'on les a montré la nuit en question, ils ont accepté d'abandonner quelqu'un qu'ils connaissaient depuis pour suivre la personne qu'on les a présentée il y a quelques secondes. Et lorsqu'ils se rencontrent, la première des choses qu'ils lui demandent, c'est où ta maison? On ne demande pas la maison d'une personne si on ne veut pas s'y rendre d'habitude. Pourquoi? Parce que nous aimons les choses qui frappent aux yeux. À peine tu vois quelqu'un que ton père même a invité ici, tu vas s'aimer celui plus que ce que tu n'as jamais s'aimé à ton père. Tu es quel peuple? Quelqu'un que tu n'as jamais vu. Mais ton mot n'a pas statiné. Mon père, aïe bioté. Combien écouter quelqu'un qui est silencieux pendant plusieurs temps? Qu'écouter quelqu'un qui parle, parle, parle. Ma prière à Dieu est que pendant mon intervention, que tu aies la soif de connaître Dieu.
que tu aies la soif de connaître le Christ en question. Amen. Que ça ne soit pas une histoire. Il est venu, il a été crucifié à la croix. Vous savez, une chose qui approuve que tout ce que j'ai cité, ça se complète, c'est que pour que vous voyez vraiment que la personne que l'on avait dépouillée des vêtements pour vêtir Adam et Ève était l'agneau qui a été crucifié à la croix, il n'avait pas de vêtements parce qu'on avait pris ça depuis Genèse. Ses vêtements étaient restés au jardin d'Éden. Voilà pourquoi à la croix il est monté nu. Il était nu. Que Dieu bénisse sa parole. Yes. Alléluia. Alléluia. On va prier. J'aimerais que l'on prie, on va prendre des directions. La première direction, ça va cadrer avec le message. J'aimerais vraiment que tu réagisses à la parole. Que ta prière ne soit pas bornée, ou bien tu es en train de prier, mais tu penses à ton problème. Que ta prière ne soit pas tournée vers tes problèmes. Sois christocentrique, même pour la première fois dans ta vie. Sois en train de prier. Dis au Seigneur, je vais te connaître toi. Vous avez entendu des gens parler de leur expérience avec le Seigneur. Pourquoi pas toi aussi? Vous avez entendu les gens parler de leur connaissance avec Dieu. Pourquoi pas toi aussi? Il y a des expériences dont lorsque tu racontes cela, ta vie change radicalement. Tu ne m'as pas dit amen. J'étais en train de dire, il y a de ces expériences, lorsque tu entres en contact avec Dieu, ta vie change radicalement. Non, tu ne me comprends pas. J'étais en train de dire, tu dois avoir la soif de connaître Jésus. Tu dois avoir, tu as autant connu des hommes, tu as autant connu des prophètes, ça n'a rien changé dans ta vie. J'aimerais vraiment qu'alors que nous serons en train de prier, si tu vas quitter ton siège, quitte ton siège. Si tu vas te déplacer, mais sois focal sur Dieu. Sois focus sur Dieu. Dis au Seigneur, je vais te connaître. J'ai besoin de connaître cette deuxième dimension. Dans la souffrance, j'ai besoin de te connaître. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? C'est dans des soirées comme celle-ci, yes, que les gens rencontrent le Seigneur. Yes. C'est dans des soirées comme celle-ci, yes, que des vies changent. Yes. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas forcément, mais tu as besoin d'être focal sur Dieu. Yes. J'aimerais que tu oublies ton voisin de gauche et de droite. Yes. Rappelle-toi au jour où tu lui as donné ta vie. C'était toi et lui, yes, vous deux seulement. Aujourd'hui, pour cette prochaine dimension, concentre-toi à Dieu. Yes. Vous êtes dans les réseaux sociaux, vous êtes en train de nous suivre. Soyez en prière. Focalisez-vous sur Dieu. Lorsque tu rencontres le Seigneur, lorsque tu rencontres l'agneau, lorsque tu rencontres cette dimension d'expérience, ta vie change. Je vois le ciel au-dessus de toi s'ouvrir. Je comprends qu'il y a une visitation qui vient en ta direction. J'étais en train de dire, je vois le ciel au-dessus de toi s'ouvrir. Je comprends qu'il y a une visitation qui vient dans ta dimension. Ne sois pas distrait. Sois focal sur Dieu. Nous voulons te connaître dans votre chambre, nous approchons de toi. Au nom de Jésus, tu vas prier maintenant. Dans cette même atmosphère, tu vas dire à Dieu, j'attends les gens parler des expériences avec toi. Je ne suis pas sur terre pour accompagner quelqu'un. Je vais te connaître. J'ai vécu avec toi durant tout ce temps, mais je veux une nouvelle dimension de toi. Alors que les autres sont en train de prier pour l'onction, les autres se focalisent sur les mariages,
Les autres se focalisent sur autre chose. J'ai réalisé que c'est toi qui détiens tout ça. J'ai réalisé que c'est toi qui es plumier. Je me focalise sur toi. Dis à Dieu, tu veux avoir une expérience avec lui dans ce qu'il te mène. Pas demain, pas après-demain. Je bénis le Seigneur pour ceux qui prient. Je bénis le Seigneur pour ceux qui comprennent. Ça coule, ici et maintenant, que ça coule en moi. Je suis en train de voir le Seigneur dans la salle. Je suis en train de voir le Seigneur dans la salle. Il y a des gens qui seront en train de voir le Seigneur. Il y a des gens qui seront en train de vivre une expérience avec le Seigneur. De là où tu es, le Seigneur sera en train de te visiter. De là où tu es. Nous avons besoin de toi, Lakaya. Yes, God. Je suis en train de voir le Seigneur sur qu'il est dans la salle. Yes. Je vois une gloire dans cette salle. Yes. Je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu. Come on. Mais je crois et je sais, yes, que Dieu est en train de rencontrer quelqu'un en ces instants. Yes. Ne sois juste pas distrait. Il y a des rencontres qui sont en train de se faire. Yes. L'agneau est en train de rencontrer des gens. Come on, yes. Tu fais bien d'augmenter en prière. L'agneau est en train de rencontrer les gens. Si tu pries en esprit, sois en train de prier en esprit. Il y a une visitation divine qui est en train de circuler dans la salle. Je suis en train de voir Dieu visiter ta vie au nom de Jésus. Je suis en train de voir des rencontres se faire en ce lieu. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est prêt à attendre Dieu? Yes, amen. C'est comme si tu n'es pas prêt. Est-ce que quelqu'un est prêt à attendre Dieu? Avance, prophète. Il y a deux choses qui seront en train de se faire. Come on. Je serai certainement en train de parler aux gens. Yes. Mais sans que l'on ne te touche, Dieu sera en train de parler aux autres personnes dans la salle. Amen. Seulement ne sois pas un spectateur. Parce que Dieu,
seras en train de faire du bien aux gens dans la salle. Amen. Papa, s'il vous plaît, vous pouvez venir. Venez. Mon frère ici derrière, vous pouvez venir. Est-ce que vous pouvez venir? Toi qui as les mains croisées. Le pasteur Rama n'est pas là. Le pasteur Rama. On peut l'appeler. Je t'ai appelé. Les frères en noir. Vous allez bien? Je vais commencer par vous. En fait, je ne sais pas. Je suis en train de sentir la tristesse. Tristesse qui envahit les cœurs lorsque tu te retrouves devant le Seigneur. Les sentiments compliqués qui envahissent les cœurs. Donc, il y a des gens dans la salle. Ne sois surtout pas distrait. Le Seigneur est sur le point de rencontrer des gens ici. Vous allez bien? On va partir. Vous connaissez, il y a quelque chose qui s'est fait en 1996. Il y a quelque chose qui s'est fait en 1996. Tu n'étais pas encore né, tu ne connaîtras pas. Laisse-moi avancer. En 1996, je suis en train de voir plusieurs personnes réunies, comme en train de célébrer l'union des deux personnes. Je parle de mariage. Mais dans cette célébration, il y a des gens qui n'étaient pas contents. Et ces gens ont semé des choses ce soir-là. Des choses qui ont commencé à combattre la famille jusqu'à aujourd'hui. Parce que je suis en train de voir l'union des deux personnes. Une des personnes doit s'appeler Kabasele. Ça te dit quelque chose? C'est clair maintenant. La personne s'appelle Donatien Kabasele. C'est qui? Mon père. C'est ton père. Je vois le monsieur épouser une femme qui s'appelle Marie. En France, c'est ma mère. C'était en 1996. En 1996. Et j'ai vu quelque chose rater votre père juste l'année qui a suivi. Mais 2 jours après son anniversaire. Lorsque je parle de 2 jours après son anniversaire, je suis en train de parler de... Je parle du 29 avril 1997. Ça veut dire, il a raté un accident mortel. Le 29 avril 1997. Si je dis c'est 2 jours après son anniversaire doit être le 26 avril. Le 27 avril. C'est ça? Oui. Et j'ai vu quelque chose de pas bien. Parce que ce que j'ai vu, c'est comme l'accident vouloir revenir, mais en 2023. Ce qui veut dire, nous sommes au mois d'avril. Mais j'ai vu comme le diable vouloir l'attaquer en cette année, mais dans sa date d'anniversaire. Et la scène que je suis en train de voir, je vois comme quelqu'un sortir de l'école et allant comme vers la grande route. Mais lorsque je parle de la grande route, je suis en train de voir l'avenir des universités. Et j'ai vu comme accident, l'accident avoir lieu là. La première personne qui vient bizarrement ne l'appelle pas, ne plaire pas Monsieur Donatia. Mais la première personne qui vient, il est en train de crier Vieux Kaba. On l'appelle comme ça? Oui.
Avance, prophète. Une autre personne à côté, mais c'est quelqu'un qui doit être de l'école. Parce que lorsque je parle comme ça dans ma vision, je vois clairement que c'est quelqu'un qui travaille dans une école. Oui. Et dans l'école en question, il doit être conseillé. Parce Avance. Que celui qui sortait de l'école, il se plaindrait et il plairait, mais c'est le conseiller. Mais à l'école, on ne l'appelle pas Donatien. On ne l'appelle pas Olivier Kaba. On l'appelle PDG Maboulantoul. Avance. Avance, prophète. Come on. Est-ce que maintenant je peux te parler de lui? Yes. Parce que tout ça là, j'étais en train de me rassurer que c'était sur vous que je devais parler. Tu sais pourquoi je t'ai fait venir? Lorsque j'ai vu cette scène, je t'ai vu toi aussi être renversé. Tu m'attends? Avance. Tu sais pourquoi je t'ai vu être renversé? Parce que tu fais cette route avec tant de risques chaque jour. Sauf samedi et dimanche. Ça veut dire, là où tu étudies, c'est un lieu lorsque tu descends à l'arrêt. Tu dois faire quelques pas à pied pour arriver à l'école. Yes. Et tu le fais tous les jours. Bien. Lorsque je te vois comme ça, j'ai vu la scène pas bien. Je te vis être renversé. Et étant à terre, je te vois en uniforme, ayant la colle jaune. Oui, c'est ça. Quelque chose ici aussi jaune. Oui, c'est ça. Mais là où je te vois être renversé, est-ce que je peux prophétiser? Avance, prophète. Là où je te vois être renversé, avance, prophète. Tu descends au boulevard Lumumba. Ok? Avance. Mais au boulevard Lumumba, tu dois prendre une petite route qui t'amène à ton école. Lorsque tu prends la route, ton école n'est pas à droite mais à gauche. Oui, c'est ça. Et la petite route, c'est une route qui est dont la fréquentation n'est pas trop bonne. Ça veut dire la circulation n'est pas bien régulée. Bon, est-ce que je peux être précis? Oui. Avance, prophète. Avance, je peux être précis. Avance, prophète. Je te vois descendre au niveau des Debonons. Oui, j'étudie à Debonons. Lorsque tu es descendu là, tu fais quelques pas pour entrer à gauche. Mais l'école où tu vas, c'est comme Maxwell, Max. Come on! Mais tu sais pourquoi la chose est sur le point de t'arriver? Parce qu'on te voit ici à l'église parce que tu sais ce que tu cherches. Mais tu es en train de vivre une période très dure. Ce qui fait que tu peux être en route pour te rendre à l'école. Mais ta tête n'est même pas à l'école. Ta tête n'est même pas à la maison. Tu es en train de réfléchir comme un monsieur de plusieurs années, mais alors que tu es très jeune. Pourquoi? À cause des problèmes de la vie. J'ai saisi l'opportunité parce que des fois, lorsque je vois ainsi, des fois Dieu nous dit, laisse la personne vivre sa saison. Mais Dieu ne m'a pas empêché. Donc, moi, avant que Dieu fasse quelque chose, moi, je fais déjà quelque chose. Je vais te payer ton transport de... Il reste combien de mois pour aller ici là? 10 000 francs, aller-retour. 2 mois. Ça veut dire... Tu es en quelle année? Cinquième. Cinquième année. Donc ça veut dire à partir de maintenant, jusqu'en juillet, moi je te payerai ton transport. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Dieu? Est-ce que tu peux célébrer le Dieu des esprits de prophètes? Comment? Mais Dieu, toi qui acclames en blanc là, Yakanzenza c'est quoi? Avance, prophète. Mon frère, faut pas pleurer. Dieu est en train de me dire de te dire. Premièrement, s'il t'a gardé en vie, c'est parce qu'il a un plan pour toi. Amen.
Parce que je suis en train de te voir être la méthode de Dieu pour élever ta famille. Ta mère, c'est une femme qui prie. Mais à cause des difficultés, elle n'arrive pas à foncer avec Dieu. Genre de difficultés qui commencent même à toucher ton cœur, à se demander Nzambazato Azate. Et toi, tu voulais déjà avorter la route de Dieu. Parce que tu avais l'impression que tu pries comme si tu ne pries pas. Mais Dieu m'a dit de te dire devant l'église qu'il te connaît. Et il a un plan sur toi. Amen. Mais la bénédiction de Dieu qui sera grande, ça va arriver. Mais moi, je te facilite déjà ça. Une seule chose, je te donne, je t'oriente comme prophète. Quand tu nais sur terre et que la première fois que tu prends conscience, tu es un homme, tu dois t'attendre à ce que la vie soit pire. Quand tu es un homme sur terre, il ne faut jamais s'attendre à ce que la vie soit... Donc, sers-toi de ça comme une école. Parce que après, autant ta vie ici en train de plaire, autant on te verra en train d'être élevé par Dieu. Que Dieu te bénisse. Pasteur Ramazani, est-ce que quelqu'un croit que Dieu parle ici? Je reviens. Yakanzenda, je reviens. Et tant qu'on les récupère. Emmanuel, ça va? C'est pas une prophétie, hein? Je te connais Emmanuel, je t'aime beaucoup. Alors Dieu me dit de te dire une chose. Il y a un combat qui s'est levé contre toi il y a quelques années passées. Okay. Quand je dis contre toi, je parle de ta santé. Okay. Ce combat avait comme pour objectif de te paralyser. Okay. Le diable voulait détruire ta vie en te ravissant la capacité, la mobilité. Okay. Est-ce que c'est vrai ce que j'ai dit? Oui, je confirme. Les gens te connaissent comme ça, mais moi dans ma vision, je ne te vois pas comme ça. Okay. Tu vois un peu, oui, cette maladie, cette attaque t'avait vraiment touché. Okay. Et au lieu de s'appesantir seulement sur tes pieds, ça affectait comme ta structure squelettique. Okay. Et la médecine a trouvé la maladie qui l'a trouvée. Okay. Donc je ne veux pas citer ici. Okay. Mais toi comme étant un homme de prière, okay, étant faible, tu priais. Amen. Tu prenais les traitements, je mais confirme. tu savais que ce n'était pas la maladie. Je confirme. Et depuis la fin de l'année passée, tu as commencé à faire des mêmes songes que tu faisais avant cette attaque. Okay. Et tu as commencé à remarquer certaines personnes qui étaient dans ton entourage dans cette époque-là vouloir revenir. Okay. Et toi, tu as crié que c'était la restauration de Dieu. Okay. Or, c'est un signe que le diable veut encore attaquer. Okay. Lorsque Dieu veut te faire du bien, il introduit une personne dans ta vie. Amen. Et lorsque le diable veut t'attaquer, il introduit aussi des gens dans ta vie. Amen. Tu m'attends? Oui, oui. La première des choses que tu vas faire, avance prophète. Je l'ai dit à la télé. La première des choses que tu dois faire, coupe toute relation que tu as connue derrière une fille avec qui tu étais en relation. Ok. Ok. Et c'était le genre de fille, woman of God. Yes. Coupe toute relation derrière ça. Amen. Non pas parce qu'il y a des sorciers, okay, mais parce que ces relations-là, okay, amènera une distraction, okay, qui sera en sorte, qui fera en sorte que ta porte soit ouverte pour que le diable t'attaque. Amen. Tu m'attends? Oui, oui. Tu es le genre de personne dont tu ne dois pas. Tu vois comme on dit, nous là, on ne doit pas céder même à une petite chose. Parce Amen. Que si tu cèdes à une petite chose, c'est un grand atout pour le diable contre toi. Amen. Tu as un grand avenir. Amen. Amen. Et tu as un grand avenir. Amen. Ce que j'ai dit, même ton responsable est un homme spirituel. Il a aperçu ça. Amen. Mais n'étant pas prophète, il n'a pas trouvé les mots qu'il faut pour t'expliquer. Ok. Pasteur Daniel, c'est vrai, non? Il a aperçu ça. Amen. Et puis, je ne sais pas, mais comme s'il t'a dit qu'il y a une oppression qui arrive. Il a prié pour moi pendant Anouka et dans ses déclarations, j'ai compris que c'était vraiment dans ce sens-là. Le diable veut t'handicaper, il veut te paralyser. Okay. Et tu es là, on regarde tes pieds, on voit que tes pieds sont normaux, mais tu sais, nous savons que ce n'est pas normal. Bah ouais. Il y a des mouvements que tu ne fais plus. Ouais. Assieds-toi, je vais prier pour toi, tu seras guéri ici. Hey man! Sois ici, sois là. Come on! Pasteur Ramazani, bonsoir. Bonsoir, prophète.
J'étais en train de prier à l'autel et le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir un message pour vous. Je reçois, prophète. Coule, 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 prophète. 8 ans en arrière, vous étiez à Kwilungongo. Exactement, exactement. J'étais à Kwilungongo. Et c'est là 8 ans. Mais vous y étiez, non pas pour passer le temps, mais c'était pour les études. Exactement, j'avais fait 24 heures, c'était pour les études, exactement. Quand j'étais à l'université. Mais les études est liée à une science que je ne connais pas, mais je vais prendre le risque de le dire. Phytotechnie. Exactement, l'agronomie, exactement, l'agronomie. Mais ce que vous n'avez pas connu, c'est que après ce voyage, les gens qui ne connaissaient pas c'est pourquoi vous étiez déplacés, ils ont cru que c'était une ouverture. Et ils se sont levés pour vous combattre financièrement. Avant de vous donner plusieurs détails, vous-même, là où vous êtes, vous savez qu'il y a des sommes que vous ne dépassez pas. Exactement. Parce que lorsque vous êtes rentré chez vous en 2015, vous avez trouvé une bonne nouvelle. C'est comme une de vos sœurs, elle avait réussi aux Exeta. Exactement. Avec 68%. Oui, exactement. Mais en fait, c'est ce même combat que tu avais aperçu alors que tu étais encore au home. Je vais te rappeler. Il y a une nuit, tu dormais dans une des chambres au home 10. Oui, j'étais au home 10. Tu t'es levé en une nuit pour prier parce que tu avais aperçu l'oppression. Mais lorsque tu t'es levé, la personne qui dormait à côté de toi s'est levée aussi. Avance, prophète. Tu connais Kalobwani? Oui, Kalobwani. Kalobwani. C'était la personne qui était à côté de toi. C'était ton voisin de lit à Ohom. Exact. Oui, c'était mon voisin de lit à Ohom. C'est un juriste aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu parle? On a encouragé Naïté. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu parle? Avance, prophète! Mais alors qu'on était en train de prier ici, Dieu m'a dit qu'il t'a accordé la victoire sur ce combat. Amen. Bienvenue à vos millions. Amen. Olobi Amen, tiens, pasteur. Je reçois. Olobi Amen, mon casse. Mais Dieu me dit de vous dire. Dieu me dit de vous dire que vous avez raté une visitation pendant ces périodes-là. Parce que cette visitation, vous devriez normalement rencontrer cette visitation dans les lieux que vous fréquentez aujourd'hui, mais dans cette période-là. Vous savez pourquoi? Parce que aujourd'hui, vous avez rencontré la visitation, mais on vous a fait savoir que si vous vous étiez rencontré dans cette période-là, ça aurait été très mieux qu'aujourd'hui. Et pendant ce temps-là, vous étiez en train de concevoir votre vie à l'Embassalongo. Ça veut dire, l'église que vous fréquentiez, c'était vers Rond-Point. Vous étiez étudiant à l'Inikin. Vous avez étudié à une école qui est vers Rond-Point. Donc vous étiez en train de voir votre vie là-bas. Mais or que Dieu vous voyait aussi quelque part. Dieu me dit de vous dire une des choses qu'il fait. Il vous accorde d'avoir la capacité de lire les temps et les opportunités. Amen. Ça, c'est vrai, prophète. Tu connais la famille Baya? Comment? La famille Baya ou Béa? La famille Béa. Non, aucune idée. Avance un peu. Baya ou Béa? Non, aucune idée. Je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas si c'est un surnom, mais moi je vois les personnes avec qui vous avez étudié. Vous appelez. Ah, Baya. Baya, c'est en fait.
Est-ce qu'on peut célébrer l'éternel Dieu? Alléluia. 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 Yes, prophète. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien. Dieu me dit de te dire, hein? La grâce que tu as, c'est une très grande grâce, mais qui doit être encadrée. Parce que je te vois en train de réunir les gens. Et des gens que toi tu réunis, c'est aussi à YOLO. Et tu es là, tu penses que ta vie, c'est à YOLO. Parce que déjà, c'est le lieu où tu as étudié. Déjà, c'est le lieu où tu as étudié. C'est le lieu où tu as des contacts propices. Et c'est là où tu réunis les gens. Si tu veux, je t'explique la pièce où tu réunis les gens. Si tu veux, j'explique. C'est une parcelle. Lorsque tu entres dans la parcelle, il y a une maison. Lorsque tu entres dans la maison, c'est dans les salons de la maison. Et les, on dit la toiture. La toiture n'est pas tout droit. La toiture est un peu comme penchée. Mais quelle que soit la quantité réduite du salon, il y a des gens qui viennent beaucoup et des gens qui croient en toi. Mais le problème, c'est que Dieu ne te voit pas dans ça maintenant. J'ai la conscience de ce que je te dis. Tu sais, toutes les filles peuvent concevoir, même à 12 ans, à 13 ans. Ça dépend de l'organisme, c'est ça, non? Mais ce n'est pas tout le monde qui peut devenir, qui doit devenir mère à cet âge-là. Si tu es ici, engage-toi à quelque chose. Garde le feu que tu as, fais-toi encadrer, ça va exploser. Dieu ne te voit pas dans ça. Tu sais ce que je vis? Je vis les gens venir, et vous, bon, nous les jeunes, parce que moi, je n'ai plus ma tête dans ça. Vous aimez les services d'onction. Quand tu touches quelqu'un, il tombe, tu dis, Dieu est là. J'étais vu faire un service de puissance. Et quelqu'un est très mal, il est mort. Parce que la puissance, tu en as. Mais c'est ce que je vis. Dans laquelle tu es. Mais ce genre de vision, ce sont des futurs qui ne changent pas. Ça veut dire, si tu continues, ça va arriver. Et ça, pour laquelle tu es. Mais Dieu te prévient. Afin d'attendre sa voix et de se réguler. Ok? En réalité, tout ce que je t'ai dit là, c'était pour me situer que je suis chez toi. Mais les messages, c'est ce que je t'ai dit. Tu peux mal dormir avec et digère, appris et comprends la voix de Dieu. Que Dieu te bénisse. Yes! Homme de Dieu, vous allez bien? En réalité, je vais continuer une vision qu'on a commencé hier par le prophète Patient. Lorsque le prophète prophétisait hier, j'étais dans la vision. Et aujourd'hui, lorsque je t'ai vu, Dieu m'a ramené dans la vision. Est-ce que je peux avancer? La première des choses, que Dieu vous bénisse. Et que Dieu continue à protéger votre cœur. Et que Dieu vous restaure. Je vous ai vu. En fait, j'ai vu l'estrade d'une église quelconque, que j'étais le nom, avoir une bonne quantité de vos biens. Et avoir une bonne quantité de vos larmes. Ça veut dire, je vous ai vu. Et avoir une bonne quantité de vos sueurs. Je vous ai vu servir dans une église. Avec vos énergies. Et vous avez sacrifié des fois votre famille. Pour le bien de l'église. Ça, c'est vrai. Vous avez des fois accepté d'avoir les problèmes avec les bailleurs. Pour que l'église ne puisse pas avoir les problèmes. Que votre femme me dise, si elle ne vous a pas dit, dans sa famille, il commençait à avoir des murmures que ton homme aime tellement Dieu qu'il te met dans de mauvaises conditions pour son Dieu. Je ne sais pas si elle vous a dit. C'est vrai, maman? Et ce qui n'est pas bien dans tout ça, là où vous avez fait tout ça, on vous a
cracher dessus. Vous êtes quelqu'un, le genre de personne, il rencontre des problèmes. Une fois, ma kambakoute, il dit, j'abandonne les choses de Dieu. C'est pourquoi j'ai commencé par dire que Dieu vous bénisse. Parce que vous n'avez pas abandonné. Excusez-moi de le dire comme ça. Mais des fois, Dieu nous permet de dire ça comme ça. Là, vous êtes là, vous êtes debout parce que vous êtes un homme. Vous avez le mental d'un homme. Mais votre vie est à terre. Vous vous battez pour votre famille. On vous appelle Benjamin? Oui, Benjamin. Benjamin Toumba. Mais Dieu me dit de vous le dire ici devant les gens et dans les strates de notre Père. Parce qu'aujourd'hui, ça marque la fin de cette saison dans votre vie. Amen. S'il y a un Dieu qui ressuscite, il y a un Dieu qui restaure. Et une chose que j'aime, c'est l'humain dans l'église, le côté charnel dans l'église qui a posé des problèmes. Mais c'est une église qui a une alliance avec Dieu. La beauté, c'est que tout ce que vous avez eu à semer là-bas, ça crie en votre faveur. Amen. À la manière des hommes, vous avez l'impression de perdre votre temps, votre énergie, vos biens, vos offrandes. Ça va être significatif pour vous-même. Hier, j'ai dit au prophète Jonathan, un jour, je t'ai vu semer ta voiture pour le bien de l'œuvre de Dieu. Je n'ai pas dit que tu as semé la voiture. Mais tu vois de quoi je parle. Mais Dieu me dit, il est le Dieu qui honore les sacrifices. Ce n'était pas auprès d'un pasteur, c'était dans son œuvre. Et Dieu m'a dit, il est maintenant en train de vous restaurer. Ce que vous attendez, vous ne l'avez pas encore reçu. Mais vous-même, vous et votre femme, vous sentez que vous vivez de nouveau. Il y a l'ascension, prophète. Pardon? Il y a l'ascension. C'est notre année de l'ascension. Une chose, arrêtez de chercher la vie, mais cherchez la vie des gens. Ça veut dire, arrêtez de vous battre pour la vie. Et revenez à votre premier combat de se battre pour gagner des vies. Parce que vous servez Dieu. Et vous devez d'abord revenir dans votre appel. Parce que c'est votre appel qui vous bénira. Parce que là, vous êtes en train de concevoir un projet. Mais ce projet, c'est beaucoup plus pour que maman commence à tourner l'argent. Ah, ben, d'arrêter. Est-ce qu'on en a parlé? Non, même pas. Dieu n'est pas contre ça. Mais peu importe ce que vous donnerez à votre femme pour faire, si vous n'êtes pas dans l'œuvre de Dieu, ça ne va pas marcher. Donc, la voix de Dieu vient pour que vous ne puissiez pas perdre le temps. Vous, engagez-vous à l'œuvre. Réengagez-vous, il faut oublier certaines choses. Réengagez-vous, travaillez pour Dieu. Et les autres choses viendront de soi-même. Si vous croyez que je suis prophète, je ne viens pas vous dire votre date de naissance, votre tout ça. Mais je vous dis la voix de Dieu. N'entreprenez pas des efforts, entreprenez des efforts pour servir Dieu. Et Dieu va toucher de l'autre côté. Que Dieu vous bénisse. Yakankinza. C'est quand même fort, hein? Oui. Faut pas me prêter. Avance, prophète. Faut pas me prêter rigueur. Avance, prophète. Je vois Dieu faire quelque chose avec. Amen. La première des choses, je vous ai vu être la porte dont Dieu a utilisé pour rencontrer votre famille. Amen. Amen. Donc, trop jeune, je sais. Oui. Et je sais le poids de ce que j'ai dit. Yes. Mais j'ai vu Dieu t'utiliser pour entrer dans ta famille. Amen. Mais Dieu m'a dit, il y a un combat qui s'élève. Comment? Mais ce combat qui s'élève, c'est pour t'affaiblir. C'est pour t'éloigner de Dieu. Comment? Mais c'est un combat qui va beaucoup plus se passer dans ton cœur. Comment? Les frustrations. Avance, prophète. Avance, prophète. Tu vois? Oui, je vois. Comment? Et ce n'est pas que ça va arriver. Ça a commencé déjà. Comment? Et tu as commencé à remarquer que tu n'es pas comme ça, mais tu commences à le devenir. Comment? À être frustré, à être frustré. Tout ce qui passe autour de toi, même à la maison, même ici à l'église, ça te frustre d'une manière ou d'une autre.
Est-ce que c'est vrai? Avance, prophète. C'est exact. Attache-toi à Dieu. Amen. Amen. Et surtout, des fois, la frustration, c'est aussi l'œuvre de Dieu. Comment? Comment? La frustration, c'est l'œuvre de Dieu. Avance, prophète. Je ne dis pas que les hommes sont là ensemble, mais c'est le travail de Dieu en toi. Amen. Donc, des fois, c'est Dieu qui te frustre. Amen. Avance, prophète. Parce que tu as appelé. Amen. À faire avancer d'une manière ou d'une autre le royaume, mais tu avanceras le royaume d'une manière ou d'une autre dans cette communauté où nous sommes. Amen. Et Amen. Il te faut la patience. Amen. Je te vois être des têtes importantes dans les temps de Amen. Cette communauté. Amen. Avance, prophète. Tu m'attends? Avance, prophète. Amen. Mais il te faut la patience. Et à chaque fois que tu sens la frustration, ne sois pas pressé à chasser ça. Laisse ça aussi travailler en toi. Comment? Laisse ça travailler en toi. Ça te permettra de sortir la meilleure version de toi. Comment? Amen. Avance, prophète. Avance. Tu sais, on aime tous les jus d'orange. Hein? Mm-hmm. Mais tu sais comment on extrait ça? Faut presser. Faut presser. Oui. Presser tellement fort. Oui, oui. Et après, on jette, on récolte les jus. Oui. Des fois, il y a des gens dont Dieu les font passer par cette formation pour sortir yes. la meilleure d'eux. Avance. La meilleure version d'eux. Yes. Que Dieu te bénisse. Je vous ai appelé. Que Dieu te bénisse. N'envoyez l'eau au thé. Peut-être que j'ai appelé une autre personne, tu vois que je t'aime. Je vous ai appelé aussi. Je n'ai rien vu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Bien acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie en l'honneur de notre Dieu? Je ne sais pas si je suis à la porte des cieux ou je suis ailleurs, mais est-ce qu'on peut se lever et célébrer la grâce prophétique dans la maison? Alléluia! Amen, amen. On va reprendre nos places pendant quelques minutes. Et déjà, je vous promets que dans les 3 minutes qui suivent, on sera déjà parti. Très rapidement, on peut nous préparer déjà les paniers des offrandes. Si, pendant qu'on amène les paniers, j'aimerais que là où tu es, tu prépares une très bonne offrande. Tu sais, quand tu viens dans un culte comme celui-ci et que tu participes à une telle atmosphère, il faut que tu te connectes à tout ce qui s'est passé ici avec une très bonne offrande. Alors de là où tu es, j'aimerais que ton offrande soit une adoration. Tu peux déjà commencer à te lever, à donner une bonne offrande à Dieu pour lui dire merci pour ta présence, merci pour ta visitation. L'homme de Dieu a dit qu'il a vu Jésus en ces lieux. Jésus était là ce soir pour te rencontrer. Même si tu ne l'as pas senti, je t'informe et je te rassure qu'il y a ici la présence de Dieu. Que ton offrande soit une adoration, que ton offrande soit une action de grâce pour dire à Dieu merci pour ta visitation ce soir. Merci d'avoir été là avec nous. Merci de nous avoir touchés. Merci d'avoir parlé. Quand Dieu parle, c'est un signe que Dieu est là et qu'il est dans la maison. Que Dieu bénisse tes finances. Qu'il te rende sensible tout ce que tu es en train de donner. Qu'il multiplie tes avoirs pour que la prochaine fois que tu donnes encore davantage, que tu sois une source de bénédiction pour toi ainsi que pour toute ta famille. Que le Seigneur vous bénisse. En même temps, après, je demanderai si on peut nous amener le panier pour l'offrande du prophète. C'est une culture que nous avons dans la maison. D'honorer l'homme de Dieu par nos offrandes et aussi toutes les personnes qui se sont préparées pour les dîmes. Vous pouvez déjà vous avancer rapidement. Vous avez votre dîme. Vous vous êtes préparé pour cela. Vous pouvez déjà avancer rapidement, prendre une enveloppe et pouvoir donner votre dîme. On avance rapidement avec l'offrande du prophète.
Vous avez votre offrande, honorant l'homme de Dieu. Connectons-nous à la grâce qui a travaillé ce soir. Et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Alléluia. Quand je suis avec toi, je suis au-dessus. Les personnes qui ont les dîmes, on peut lever les enveloppes, s'il vous plaît. Père, au nom de Jésus, nous prions que tu multiplies et que tu nous bénisses encore davantage. La Bible dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les excuses de Dieu. Je prie, Seigneur, que tu ouvres les excuses de Dieu afin que nous puissions encore revenir dans ta présence pour te donner davantage. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je prends mon envol et je marche avec toi au plus haut. Est-ce qu'il y a en ces lieux des personnes qui nous visitent pour la première fois? C'est votre première fois de venir ici à l'église Porte des Cieux. Est-ce que vous pouvez lever votre main? On va vous accueillir. On acclame le Seigneur. Est-ce que vous pouvez simplement vous lever, s'il vous plaît? On aimerait quand même vous donner un petit dépliant pour garder contact avec vous. Nous vous souhaitons la bienvenue ici à l'église Porte des Cieux. Cette église que dirige le prophète Joël Francis Tatou, qui n'est pas là, il est en mission à Paris. Et moi, je suis le pasteur Faïta. Ici, vous êtes le bienvenu. Si vous venez d'une autre église, prière de rentrer avec les salutations de notre part. Mais au cas contraire, si vous n'avez pas d'église d'attache, nous serons très ravis de vous avoir parmi nous. Et c'est même pour ça que nous vous acclamons pendant que vous reprenez votre place. Alors j'aimerais donner quelques communiqués avant que l'on parte. Déjà ce soir à Paris, dans quelques heures, aura la nuit de la prophétie avec notre père, le prophète Joël Francis Tatou, ainsi que le docteur prophète Lovi. En tout cas, s'il vous plaît, rentrez à la maison, reposez-vous, dormez un tout petit peu s'il est faux, mais activez les alarmes. Chez nous, ça sera 23 heures. Activez l'alarme, activez aussi les mégas. De préférence, il y a des réseaux où on vous donne 5 gigas pour 1 dollar. Activez et connectons-nous massivement, partageons le live parce que ça sera simplement extraordinaire. Amen, amen. Alors, je tenais personnellement à remercier tout le monde. Vous avez été là, ici, tous les soirs, que ce soit les personnes qui nous ont suivis en ligne. Vous étiez là, il y avait l'embouteillage. Vraiment, merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous-mêmes? Et on vous informe que dimanche, c'est la Pâque. C'est notre fête. C'est la fête pour les chrétiens. Faites-vous tellement beau. Célébrons la Pâque comme les Kimbanguistes. Vous avez vu, ils ont célébré. Et si nous, on doit célébrer Jésus, on doit célébrer la résurrection, on doit se faire beau, on doit être heureux, on doit célébrer parce que c'est ça la fête de chrétiens. Mais en même temps, qui dit célébration, dit aussi action de grâce. J'aimerais que le dimanche, lorsque tu viens en ces lieux, prépare une action de grâce. Toute cette semaine, on nous a parlé de l'agneau. On nous a parlé du sacrifice de l'agneau. Et s'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est ce que même la Bible dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que moi et toi nous soyons sauvés. Tel que tu es là, tu ne l'es pas seulement par tes propres efforts, mais c'est parce qu'un jour, un seul a payé le prix fort. Tu es chrétien aujourd'hui parce que tu vaux le sang de Jésus. Jésus a versé de son sang pour que tu sois racheté. Alors, le dimanche, prépare une très bonne offrande, une action de grâce. On sera là et on pourra venir offrir à Dieu en guise d'action de grâce pour lui dire, nous sommes reconnaissants pour la croix. Et en même temps, parce qu'on est en train de parler d'action de grâce, toutes les personnes qui ont reçu les enveloppes de la part du prophète Gratien, s'il vous plaît, aujourd'hui c'était la date butoir de venir déposer ça sur l'autel lorsque vous allez sortir. Je pense que c'est tout, il n'y a pas de communiqué. Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons clôturer. Lève la main.
et dis à Jésus, Seigneur, je dis merci pour la croix. Je dis merci pour ton sang. Je dis merci parce que tu as payé le prix pour que moi je sois racheté. Je ne l'ai pas mérité, mais c'est par ta grâce. Élève la voix, parle-lui. Nous te remercions, Seigneur, pour cette belle semaine pascale. Nous te remercions, Seigneur, pour ces moments où tu nous as rappelé combien tu nous aimais. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous as rappelé qu'un jour tu t'es sacrifié pour nous. Nous ne l'avons peut-être pas mérité, mais ton amour était si grand qu'il a accepté de payer ce prix pour nous. C'est pourquoi ce soir nous prions, Seigneur, qu'en rentrant dans nos maisons, laisse que toi seul tu sois le maître dans nos vies, que tu sois le Seigneur qui nous guide et qui nous accompagne. Donne-nous la force et le courage de te rester fidèle tous les jours de notre vie. Que la main de Dieu soit avec tout un chacun d'entre nous et que la bénédiction de Dieu nous accompagne dans nos maisons. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.